équipe à Charleroi en Belgique. Et pendant un an, j'ai alterné le foot et le foot en salle. Il y a même des joueurs en France, ça commence à se développer. On voyait l'Arabi qui était en équipe de France futsal des moins de 21 ans. Je pense à Oussam Ben Yedder qui était en équipe de France futsal l'année dernière et qui aujourd'hui joue au TFC. Le foot en salle, ça, c'est quelque chose qui justement peut vraiment amener beaucoup de qualité à un joueur. Le futsal, c'est un superbe outil pédagogique. Il y a énormément de vertus à prendre sur le futsal. Au Brésil, beaucoup des grands joueurs passent d'abord en futsal. Bon, c'est souvent avec la semelle, c'est souvent tout ce qui est en termes de louche, de petites passes courtes et rapides sur une touche de touche de balle. Il faut avoir une aisance technique hors norme. Ça m'a permis de travailler la technique parce que c'est quand même basé sur la technique. La technique est primordiale, c'est-à-dire qu'un joueur de futsal, c'est un joueur qui doit avoir deux pieds, pied droit, pied gauche. Savoir garder le ballon, dans des espaces réduits. Le monde technique et avoir une vision de jeu assez large. Ça demande au niveau de la qualité de prise d'information, une adaptation, une réactivité qui est hyper importante. Aujourd'hui, si j'ai entre 14 et 16 ans et que je suis pas encore en centre de formation, bien sûr que je m'inscris. Là, le tournoi est fait comment vous le faites, c'est une très bonne chose parce que c'est un élément pour un recruteur de pouvoir regarder un joueur qui n'a pas été vu auparavant. Il y a du monde qui vient sur moi, il y a des gens qui ont l'œil dessus et les jeunes, voilà, c'est la possibilité de s'exprimer et de montrer leur qualité. Et voilà, on ne sait jamais, ça peut aboutir à beaucoup d'autres choses.